Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur la guerre du Nord, mon gars. Et on va continuer notre petite aventure. Ah oui, bien vu l'arbalète. Je n'en ai plus. Ah. Nous allons nous occuper de cette machine. Ils sont en train de m'ignorer. Ils sont en train de m'ignorer, ils vont le payer. Oula, on a eu chaud. Ah, bien joué la téléportation d'elfes. Ah, les elfes qui se téléportent, quoi. Bam. Oh là là, les gobelins en armure, ils sont solides les cons. Bien joué. Décapitation. Incroyable. Belle décapitation. Nous nous retrouverons à la citadelle si nous ne nous croisons pas avant. Alors attendez, le son est un peu fort. Le son est un peu fort. Excusez. Il y a encore des gobelins? Ah oui oui hein. Voilà. On a eu un peu de mal hein. Tenez bon maintenant. Serviteur de l'ennemi, prenez garde. Voilà, ça focus le mât, les mains tank hein. Allez, donnez tout. Ah ouais, ça va, on est l'argent. On vous domine, t'es minable. Décapitation. On se les fait à la main, hein. L'arbalète c'est bien, mais bon, à la main c'est mieux, hein. Le mec il se déplace quoi. Il se déplace à une vitesse incroyable. Je vais nous protéger de leurs flèches, de leurs touches. Oh là là, des gobelins à tour de bras mon gars. Je vais dans la bulle. Ah, tu veux bien remettre une bulle? Bah, je vais utiliser une potion. Hein. Là, j'ai pas le choix. Ressentez ma colère et mon désespoir. Ressentez mon désespoir. Je te menace avec mon désespoir minable. Ah bah soigne-toi.
Ah oui, d'accord. Elle est tombée! Elle a glissé, chef! Oh la guerre! Bon, c'est vrai qu'avec l'arbalète, ce serait plus simple, hein, mon dieu. Bon, on va prendre l'arbalète, hein. Je vais pas résister longtemps. On va céder à la facilité. Aidez notre ami, vite. Aidez Farin. Oh, pas assez loin. Allez hop, les Eldar là. Les Eldar c'est bien, mais une arbalète explosive c'est mieux. Hein. Une baliste, pas une arbalète. Ouais, je sais. Nous devons passer cette porte. Très bien. Tenez bon. Le Rukai là. Vous affrontez maintenant un Dunadan. Ah, il peut mort. Level up. Eh ben c'est un beau bordel, hein. Très beau bordel. Ah, tout le monde level up, hein. Ça c'est fabuleux. Hein. Dextérité. Oh, on va bourrer la force, je pense. Qu'est-ce qu'on met comme point? Ouais, deux armes à une main, ça m'intéresse pas. R2 carré pour abattre votre épée en arc. Vas-y, on va essayer ça. Ah oui, c'est énervé. Attendez, je vois quelque chose par là-bas. Des gobelins explosifs, hein. De quel genre de créature s'agit-il? Se pourrait-il qu'ils soient si fanatiques des ténèbres qu'ils iraient jusqu'à s'autodétruire pour attaquer leurs ennemis? Oui. Voilà qui est perturbant. Oui. Ah, des kamikazes. Moi, je trouve pas ça perturbant, hein. C'est des gobelins. Oh, je l'avais pas vu. Là, j'ai beaucoup de mal avec le stick, hein. Marteleur d'ennemis, mon gars. Ils ont pas besoin de moi, hein. Je me sens inutile, hein. Je me sens inutile et c'est affreux, hein. Beaucoup votre geste. Bon, en tout cas maintenant je sais, je peux mourir. Sans que ça ait vraiment d'influence sur la suite, quoi. Je pensais que la mission dépendait de ma vie. Bon, heureusement ils savent pas viser, hein.
Ah. À l'aide. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Laissez-moi vous aider. C'était trop. Allez, risqué. On y retourne. Je vous remercie. Tiens, il est solide le coup. Très bien, on prend tout. Ah, écarte-toi. Écarte-toi, Nabo. Bah. C'est mieux. Il y a un levier ici. Ah, bien vu le levier. Bah. Voilà, c'est mieux. Cette porte est bloquée. Il va nous falloir un moment pour l'ouvrir. Écartez-vous, s'il vous plaît. Restez sur vos gardes. Les gens lui arrivent. Nous devons nous serrer les coudes. Ils vont tous du même côté, hein. Voilà. Rien de ce que l'ennemi peut nous jeter ne respectera ce bouclier. On va aller loot un peu tout ça, hein. Il y a des trucs vraiment pas mal qui sont tombés, je pense, là. On va aller se faire plaisir. Écarte-toi. Écartez-vous. Faites place, faites place. C'est admirable. Il n'y a pas grand chose, hein. La porte s'est fermée derrière nous. Nous sommes piégés. Il y a un levier là-haut, mais je ne vois pas comment l'atteindre. Ils nous ont retrouvés. Les voilà. Bien joué, hein. Frappons à l'unisson. Bien joué, la magicienne. La mort vous emporte tous. Ouli. Les créatures sont plus redoutables que celles que nous avons appris. Ah ouais, tu trouves? Moi je trouve pas, hein. Ils sont gratos, hein. Ah ouais, bah ça, ça va être dramatique, hein. Faut vraiment que j'améliore ma visée, sinon on est mort, hein. Elle met le feu, bordel! Elle se met le feu à elle-même! Qu'est-ce qu'on fait? Bon, après... Après, ça a l'air bien débile quand même, malgré tout. Pas besoin de bouger, hein. En fait, ça va, je maîtrise la visée maintenant. Bien joué. Maintenant je sais viser. J'ai trouvé la strat. Ils sont trop nombreux pour nous.
perfectionnement critique. Et mon désespoir. Celui-là de la poudre explosive. Vous affrontez maintenant un Ranger. Oulé. Oulé. Allez, full brutal. Oh, l'arc de cercle. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Soignez-moi. Nous avons besoin de... Merci. Oh, c'est un beau bordel, hein. Level up, quoi. Écartez-vous. Écartez-vous, laissez-moi faire. Le son est encore fort. Oh. Bah là, on est à la moitié, c'est abusé. Vous trouvez qu'il est encore fort? Comment ça, mes amis? Toi, mes amis, ouais. Un instant, nous ah, ah, je vous avais pas vu. Merci, les gars. Très aimable de votre part. Alors, attendez. On va bourrer la force. Bonus d'armure basé sur la dextérité. Coup fatal vous fait banner. Vous fait banner. Ça me fait banner, mec. R2 carré pour les attaquer tous les ennemis proches avec vos deux armes. Ouais, mais non. Oui, mais non. Dépêchez-vous, nous vous retrouverons plus loin. Archer ennemi au-dessus. Voilà. Sur la tour, il fait exploser de la poudre. Le jeu est pas très beau, hein. Je l'ai mis de base, hein, sans les textures HD, je pense que ça se voit. Mais là, je le trouve un peu moche. Acheter. Mais que des boucliers. Hein. On achète deux potions de soins. Parce que pourquoi pas. Il y a un explosif sur cette tour. Celle-là, là. Ah ouais, bien vu. Il doit y avoir un levier qui ouvre cette porte. Il est pas au-dessus. Il doit y avoir un levier qui ouvre cette porte. Ouais, bien vu, mec. Faut le trouver, hein. Ça, c'est marrant, le jeu est plus beau sur le stream que ce que j'ai en face des yeux. C'est peut-être mon écran, hein, qui le rend moche. Ce qui est dommage, hein.
Ah, mais tu peux passer après avoir détruit la tour. Avec un petit coffre. Il y a un levier ici. Et un autre coffre, ça fait plaisir. La route est dégagée. Ça fait un peu penser à... au tirage, même si le tirage c'était au tour par tour, mais ça me fait penser au tirage un peu. Alors qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à voir. Si on veut être parfaitement honnête. Hein. Nous pouvons retourner leur propre arme contre eux. Allez, allez. Il y a beaucoup de phases de tourelle, hein, mine de rien. Il y en a d'autres, attention. L'autre il a volé comme n'importe quoi. Oh bien joué. Ah bien joué. Vous affrontez maintenant un dunadan. Bien joué. Viens là, minable. Oubli. Bon, on peut se les faire à la main maintenant. Hein. Laisse-moi la décapitation, s'il te plaît. Non. Ah, faut reprendre la tourelle. Ils attaquent de tous les côtés. Ils attaquent de partout. On va se soigner un peu. Ressentez ma colère et mon désespoir. Oulé, décapitation. Ouais, bien joué. Ah, bien joué. Hop là. Au final. On est dans la sphère là ? On est dans la sphère. Ah, on est plus dans la sphère et on est en train de bugger. T'inquiète, la sphère. La sphère de lumière. Laissez mon âme poche. Mon nain de poche. Ici, mes amis, rassemblez-vous autour de cette lumière réparatrice. Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin. Mon stuff est un peu cassé, apparemment. Bah, c'est bon, y'a plus rien. On a masterisé le combat.
J'ai entendu un gobelin. Il serait pas derrière le mur là ? Il y aurait pas un petit bug ? Oh ! Bah oui, il est en train de bugger. Hein. Ah ! Ah, la guerre n'est pas terminée. Ah, c'est en train de bugger. Trop d'ennemis, trop d'ennemis. Ok, je vais me faire interrompre. Allez, on va les aider au corps à corps. Je te domine, minable. Venez ta terre, vite, aidez-le. Farin, tiens-moi, Farin. Pas oh, bien joué. Bah voilà. La victoire. Par ici. Atatata, le loot. Vous avez bien combattu. Nous allons ouvrir cette porte. Et si on avait mal combattu, t'aurais quand même ouvert la porte ou pas? Retrouvons-nous à la citadelle. Bonne chance. Merci mec. On va partir du principe qu'il nous aurait ouvert quoi qu'il arrive. Ah, encore un mage. On va y aller au corps à corps. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix face à lui, là. Et on va essayer de pas être ridicule. Oulu, oulu, oulu. Ah bah, on va mourir. Hein. Ah. À l'aide. Bien joué! La prêtresse qui me ramène à la vie, même si elle se prend des coups, quoi! Ça, c'est une dame dévouée! Bam! Ah, c'est un coup brutal, il est pas mort! Oulé! Décapitation! Décapitation! C'est le bras! C'est pas la tête, ça dégoûte! Tellement déçu, bordel! Bah, le bras. On est déçu, hein, forcément. La porte est enfin ouverte. Rendons-nous à la citadelle. Frappe-moi, Lisa! Vous affrontez maintenant un Dunagan! Vas-y hein. Il peut rien faire le pauvre. J'ai de la peine pour lui quoi. Voilà. Alors attendez hein. Y'a pas des petits loot au cas où? Y'a pas l'air hein. Secret trouvé 0 sur 5. C'est dommage. Hein. Secret trouvé 0. Voilà la citadelle. Juste devant. Nous n'y sommes pas encore. Ne vous éloignez pas.
En vrai, je me souviens pas à quel point le jeu est long. Ou court d'ailleurs. Il me semble qu'il est assez court. Une dizaine d'heures. Ouais, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, on peut faire ça quand même. Non, pas lui. Ah, ça dégoûte, hein. Tiradan a besoin de notre aide. Mais j'ai toujours besoin de votre aide. Attends, madame, vous prenez tarot, là. Vous prenez tarot, comme on dit dans le milieu. Ça a servi à rien, hein. Je pensais que ça allait détruire la porte, mais non. Hop là. Il me faut de l'aide, à peu près tous les 10 secondes. J'apprécie beaucoup votre geste, mon ami. Voilà. Il y en a d'autres, près du mur. Pas l'avantage longtemps. Commencez par vaincre les portions de feu. Résistons et battons-nous ensemble. C'est bon, ils sont vaincus, les porteurs de feu, là. Ah ! Allô ? Ah, le bug. Ah, c'est un vrai bug. Mais au moins, comme ça, on peut observer la situation, regardez. Là, on a eu chaud au cul. Re, désolé pour ce petit crash. Malheureusement, le jeu est mort. Entre mes mains. D'ailleurs, est-ce que ça a sauvegardé les paramètres audio ? Oui. Allez, hein. En avant pour la citadelle, on va essayer de faire mieux. Ça devrait pas être trop dur vu qu'on a mal joué. Après, c'est pas à cause de ça que ça a crash. Par là ! L'arbalète montée ! Il est mort. Allez, là, on va se faire plaisir. Venez là, les minables. Oulé. Serviteur de l'ennemi, prenez garde. Décapitation. Il y en a d'autres près du mur. Ils n'auront pas l'avantage longtemps. Commencez par vaincre les porteurs de feu. Sectionnement critique. Je suis pas mort, hein. Ah. C'est bon. On prend tellement cher, mon dieu. Mais je me fais victime. À peine relevé au sol. Décapitation, mon gars. Allez, hein, on va mettre nos petits points. Pareil, on bourre la force, hein, on réfléchit pas. Après, t'as quoi ? Augmente un bonus d'armure basé sur le... Ouais, ça m'intéresse pas des masses. On va mettre ça, hein, en bloquant, oui. Bon. Hop là. Ok, ouais, c'est la même barrière que la nôtre. Il est temps.
Bien joué. Laissez-moi vous aider. Eh, dans les deux premières vidéos, je suis pas mort une fois, là, je me fais victime tout le temps. C'est la vidéo de la victime. Je me fais victimiser. Un plastron d'émissaire. Et un bracelet en or, mon gars. On sait se faire plaisir. Oh, bien vu. Et voilà. Ah ! Il invoque des machins explosifs. Vraiment là. J'étais plus proche de la mort que de l'autre. Bam. Coup brutal, il est pas mort. Hop là. Mort du critique. Coulé. Sectionnement légendaire. Boum. Encore un sectionnement légendaire, mon gars. On est chaud bouillant. On est martyrisant. Attention, il passe par le plafond. Bam. Sectionnement légendaire. Mort critique. Ressentez ma colère et mon désespoir. Attends, Jean-Claude là-bas. Bah désolé hein. Les réflexes sont pas bons hein. Mais l'attention y était. On peut partir de ce principe là. Le son est trop fort. Non mais... Mais je sais pas, je vais pas diminuer plus. Ah, c'est déjà pas mal. Si t'es en train de me mytho, ça va m'énerver. Hein. Serviteur de l'ennemi, prenez garde! Bah let's go. C'est un coffre ça. Donne-moi du loot, une arbalète et un arc. Alors ça c'est brisé. Mais c'est pas grave vu qu'on change. Ça c'est brisé mais dommage. Mais combien le mien? C'est lequel le mien? C'est celui-là, là. Bon, on va mettre lui. Hein. Ah, mais on a loot tellement de trucs, mon dieu. Je n'avais pas fait gaffe, hein, que... qu'on s'était mis bien comme ça. Incroyable. Agondor doit être à l'intérieur. Alors c'est là que nous devons nous rendre.
La route est bloquée par une barrière magique très puissante. Brisez le sort. Peut-être, mais il faudra du temps et de la concentration. Vous devriez commencer. Nous assurerons vos arrières. Boum. Oh là là, je rate les décapitations, ça dégoûte. Bam. Ah, laisse-moi la décapitation. Merci. Éloignez les orques d'eux. Frappons à l'unisson. Mais y'a personne sur eux. Ah, laissez-les, hein. Vous affrontez maintenant un Dunadan. Ah, ils ont pris un coup, hein. Repoussez les orques. Nous devons les éloigner d'Eladan et Elrond. Boum. Parce qu'on leur met mon gars. Arrêtez-le. Restez sur vos gardes, il y en a déjà d'autres. Repoussez cette vermine. Oh, on a été mauvais. Je n'ai pas de puissance. Comment ça t'as pas de... Ah oui. C'est vrai. Après une analyse légèrement poussée, c'est vrai qu'il a plus de mana. Ah, vite, vite, vite. En plus, ils prennent cher, hein, mon dieu. Mais vous allez mourir, oui. Et voilà, coup final. Ah, des problèmes. Attention. Arrêtez le troll. Nous ne pouvons pas le laisser atteindre Eladan et Elrohi. L'aide de Telerath serait la bienvenue. Bam. Ah. Ah bah il est pas con le troll, hein. Bon, on va y aller au corps à corps, hein. Oh bah bien joué. Heureusement il lui restait pas beaucoup de PV. On a eu une épée et un arc de guerrier. On y jettera un coup d'œil après. Bam! Décapitation! Niveau 9, hein. Là, il y a le bonus d'armure. En bloquant... Coup fatal vous fait gagner un bonus de force temporaire. En vrai, on le fait souvent. On le fait vraiment souvent. Là-bas, on a enlevé la barrière. Venez vite! Les portes sont ouvertes! Nous allons devoir nous séparer un moment, mes amis. Je ne peux pas vous suivre au sein de ces étroits couloirs. Allez-vous rentrer chez vous, Beleram? Non, jeune dame. Ce serait déloyal de ma part de vous quitter alors que la vie de mes amis est en danger. J'attendrai votre retour. Il se peut que je puisse empêcher des renforts de vous suivre jusqu'à la tour. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Les elfes prennent de l'avance. Que
Que la bonne fortune soit avec vous tous. D'accord, mais avant tout, j'ai vu un truc qui me plaît là-bas. Alors attends, déjà on va gérer l'équipement, parce qu'on a eu une épée et un arc. 35-55, fais voir combien elle faisait. Oh, 24. Elle est moche, dommage. Et là, l'arc de guerrier. Ah oui, pardon. Bon, par contre, l'épée est moche. On peut pas tout avoir, hein, la beauté et l'efficacité, comme on dit. Ça ressemble à une épée à une main, ça. Hein. Ok. Un anneau. D'ailleurs, on va équiper l'anneau. Hein. Que fait-il ? C'est pas pour moi. Bon bah je pense qu'on va filer. Hein. On va jeter un œil vite fait là. Ouais non y'a rien. Bah allez, let's go, on file. Hein. Ouais, assez court ce chapitre. Hein. Je sais pas, bah c'est pas un chapitre en même temps. J'ai envie de dire qu'on a été une assez bonne distraction. C'est vrai qu'on a bien distrait les ennemis. On va peut-être retourner un petit peu à Brie, histoire de voir s'il n'y a pas des trucs à faire. Mais ça fait longtemps. Il me semblait qu'on avait des quêtes secondaires. Quête secondaire, voilà. Les paroles du voyant, le culte de l'œil sans paupières et objet à donner. Du coup, on va parler un petit peu à tout le monde. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas venu au marché pour acheter un râteau ou une pelle. Bah, bien vu, mec. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas venu au marché pour acheter un râteau ou une pelle. Je ne fais rien de mal, je vous le jure. Tu vas réparer mes épaulettes. Les petites épaulettes. Ensuite, non, c'est bon. Bon, rien que pour les réparations, ça valait le coup de venir. Hein. Bienvenue à Bray. Vous n'êtes pas d'ici. Quel genre ? Les voyageurs nous racontent beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a de quoi s'inquiéter. C'est ce qui me fait peur. J'aimerais... Qu'avez-vous l'intention de faire ? J'aimerais que la ville... Je devrais... Ça vaut le coup d'essayer. Je vous raconte. Bah d'accord. Je pensais pas qu'il allait me donner une quête, mais oui. Parler à Groff. En fait, c'est un dialogue que je crois avoir déjà eu. C'est pour ça que je l'ai passé à moitié. Même totalement en vrai. Si je peux me permettre, vous n'avez pas l'air d'être de Bray. Puis-je faire quelque chose pour vous ? J'ai un service à vous demander. Un service ? Quel genre de service ? J'aimerais que vous ouvriez un magasin d'armes pour le peuple de Bray. Vous plaisantez, j'espère. Des armes pour ces gens. Ils sauraient même pas de quel côté tenir une épée. Autant essayer de vendre des chaussures à des hobbits. Ils n'ont peut-être jamais eu besoin d'armes jusqu'à présent. Mais l'avenir est incertain. Ils doivent être capables de se défendre. Il est vrai que les choses empirent. Il y a des conflits dans les environs. Mais ces gens n'arriveront jamais à le croire. La vie a été trop facile pour eux pendant trop longtemps. Ils ne sont pas tous...
Il faudra plus que quelques habitants. Ne laissez pas leur passer. Excellent. J'ai déjà fait cette quête. C'est pour ça que j'ai passé le dialogue. Du coup, oui. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ça a pas dû sauvegarder hein, quand je l'ai faite. Vous avez géré comment? Votre j'y penserai. Bon allez, on file hein. On va continuer la guerre hein. À la base, j'étais juste venu pour me réparer, là c'est bon. Pour réparer notre équipement, hein, bien sûr. De retour à Fornost. Nous avons atteint la citadelle. J'ai envie de dire qu'on a été une assez bonne distraction. Avancez prudemment. Nous n'avons aucune idée de ce que nous allons trouver. En vrai, je regarde mon stream là, parce qu'en vrai, il est plus beau que ce que j'ai sous les yeux, du coup, c'est dommage. Je sais pas comment c'est possible une telle sorcellerie, quoi. Là-bas. Envahisseurs ? Combien ? Pas beaucoup, mais ils ont libéré l'aigle. Imbécile, notre cachette va être dévoilée. C'est tout ce que savent faire vos larbins ? Ce sont sûrement de grands guerriers. Des elfes redoutables, ou des saletés de Tark. Ça m'est égal. Trouvez-les et tuez-les. Alertez vos gardes. Ne les laissez pas s'enfuir. Prévenez mes gardes et dépêchez-vous! Tenez bon! On arrive! Non! Ne laissons pas à Gandor le temps de s'échapper! Allez! Occupons-nous de ces gardes. Bon. Le gros est Tarzog, un chef des orques du Mondrame. Chef, hein? Très bien. J'en ai marre de m'occuper seulement de la tête. Bon, il a l'air vénère, mais en vrai, ça va. Hyper masse PV là. En vrai, je vais aller me le faire au corps à corps. Bam. Ouf. Il m'a mis 86 dans ma bouche. Hein. Tu vas mourir, oui. Bon, moi je vais mitrailler hein, de loin. Ah! Il a compris que je faisais des trucs. Bam! Bam! Bam, bien sûr. Hein. C'est ce qu'on dit quand on se fait déglinguer, quoi. Oh, bien joué. Pourquoi mon épée fait si peu de dégâts d'un coup? C'est une épée à une main du coup. Hein. C'est une épée à une main? Oui, c'est pour ça qu'elle fait si peu de dégâts.
Voilà, j'éloigne le gros. Ah, les deux sont morts. Vite, 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 vite. Allez, hein. Courage, mec. Oh, la décapitation, là. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ah, le revers du... Ah. Bon. Andrea, elle est morte aussi. On est en difficulté, hein. Ah, on est mort. Bon, on l'a sous-estimé, hein. Tarzog, le vénère. Ce gros est Tarzog, un chef des orques du Mongram. Chef, hein? Très bien. On les marque, vous occupez seulement des laquais. Voilà, maintenant on suit les petits. On va prioriser les petits tant qu'il y en a. Alors, un de moins. Ah, j'ai encore l'épée à une main. Ok. On va la changer du coup. Belle esquive, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, sectionnement critique. Laisse ma magicienne tranquille. Ok, je suis mort. Ah, la magicienne qui vient tout de suite. Merci beaucoup. Ok, j'ai plus d'énergie. C'est lui en fait, il augmente les PV, enfin la résistance des autres. Vas-y, on va regène un peu la mana. Bam. Instantanément, il me regène. Merci, mon pote. Pharaon est tombé, c'est pas grave. Reviens, mon pote. André, elle est morte. Ah, je suis mort aussi. Il l'a ramené, bien joué. Ça va faire mal, ça. Venez m'aider. Merci, Andriel. Reviens, Pharaon. Ok, elle est en train de le faire. Le boss est vénère, hein. Bam, impact puissant, il se relève tout de suite, hein. Et voilà, 2-2.
je suis mort. Boum. Boum. Allez, on va remettre une dose. Vite, vite, vite. Voilà la dose. Oui. C'est bon, je suis pas mort. Sectionnement légendaire. Ah, bien joué. Darzog a été tué. Bon, les petits, ça devrait aller, hein. Mais on a eu tellement de mal, on a plus de potions de soins. Hein. Enfin, il nous en reste 3, quoi. Épée de guerrier, ok. Voilà qui règle leur compte à tous. Vite, nous devons suivre Eladan et Elrohir. Ils auront pu... Alors, attends. C'est une épée de guerrier, mais une épée de guerrier de mon niveau ? Pas de à demain plutôt? Non. Il faut la réparer mon épée, hein, je l'ai vu. C'est pour ça du coup lequel fait un peu moins de dégâts. La Morgar Stern, elle est équipable. Ouais, mais pas pour moi. Ouais, pas pour moi. Je m'en doutais, c'est pour le nain, quoi. Bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour la suite. Au revoir.